Hey yo tout le monde, c'est Tiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Civilization 5 dans lequel nous jouons Venise. Alors, j'avais prévu lors du dernier épisode de réorganiser tout ça. Alors, pour les bonus thématiques, ça, c'est pour optimiser votre bonus, faites en sorte que les emplacements pour chefs-d'œuvre contiennent des œuvres littéraires de la même époque et civilisation. Donc là, j'ai Venise Renaissance, il me faudra un deuxième Venise Renaissance. Mal barré. Bon, j'ai deux Venises Moyen-Âge par contre. On va mettre deux Venises Moyen-Âge. Voilà, et on a un petit bonus de plus 2 grâce à ça. L'université d'Oxford. Faites en sorte que les emplacements pour chef-d'œuvre contiennent des œuvres littéraires de différentes époques et de civilisations autres que celles du propriétaire d'un lieu. Ok, littéraire. Pour ça, on va aller dans le portail des échanges. Alors, qu'est-ce que je vais changer? Masnavi. Écrivain illustre Moyen-Âge. Voilà. Je lui proposais d'échanger ça. Et je vais changer. Alors, Masnavi, du coup, je l'ai pris contre ça, ok. Et je vais lui échanger le dernier des Mohicans. Pas au Shoshone pour le coup. Le dernier Mohican. Contre. Guerre épée. On échange. Ah zut, j'ai deux Moyen-Âge. Bon. On va échanger guerre épée, c'est pas grave. Ouais, non, l'autre. Énéide. Moyen-Âge. Moyen-Âge. Oh non. Ah, Renaissance. Merci la Mongolie. La morte d'Arthur. Y a pas une lettre en trop là par hasard? Ah, je l'ai mal fait, ou alors j'ai pas capté, il veut peut-être pas. Ok, non, c'est bon. Alors on a la bibliothèque de la littérature mondiale en bonus. Là on a le tableau de Venise. Littérature médiévale. Et là, ça donne quoi sur l'ermitage? Pour optimiser votre bonus, faites en sorte que les emplacements pour les chefs-d'œuvre contiennent des œuvres artistiques de différentes époques et civilisations. Oh la vache! Alors, ère industrielle, ère industrielle, ère industrielle. Si, regardez, on va faire ça vu que j'en ai trois là des mêmes. Pas de. Ère moderne, Moyen-Âge, ouais. Alors, il faut que j'échange ça, on va dire l'ascension de Mahomet aux cieux. Qui est de l'ère industrielle, Moyen-Âge, Renaissance. Je n'avais pas de Renaissance, hein, je crois. Alors, on va prendre ça. Échanger. Peacemaker. Et je vais changer la naissance de Vénus. R classique. Ah bah voilà. Et là on a un bon petit bonus de plus 3, ce qui fait un bon total de 33 en... En culture, là on était à 26, je crois. Oh, on a pas mal augmenté, mine de rien. On va continuer comme ça. Et là, normalement, je veux dire ici, on devrait plus nous embêter.
Ah, il préfère l'autre partie. Bien. C'est bien. C'est mieux pour moi, quoi. Ok. Bon, après, ce que j'ai fait, c'est vraiment de l'optimisation. Pas bien grave si vous l'avez pas. Bon, elle est pas gueule et tout, je m'en fiche Et un on peu. est Ah, à assez qu'est-ce de que... Oula, non. mètres. Bonjour, je voudrais ce diamant, s'il vous plaît. Ouais, tu veux m'échanger contre quoi? Oh, il y a un peu de poussière là-bas, ça t'intéresse? C'est exactement ça. Hein. Bon, c'était pas exactement ça, mais c'était le même principe. Il me propose pas mal, hein, contre la baleine. Ouais, c'est bien. Lui, il se fait attaquer à tous les tours. Bon, au moins, sa mitrailleuse. La Gatling, elle prend de l'expérience, mais. Ils sont partis où, mes ouvriers? C'est fou, ça! Pourtant, j'en ai des ouvriers, hein. Mise des unités. Bon, ok, j'ai peut-être plus de navires marchands que d'ouvriers, mais ça, c'est pas grave, c'est. Ah, c'est un détail, c'est un détail. Je vais acheter des ouvriers. Hein. Je crois que là, j'ai pas le choix. Attends, ah, ça marche maintenant? Non, c'est pas ce que je pensais, ça marche pas. Comment ça, je peux pas acheter d'ouvriers là? Eh! Pourquoi ça m'a retourné à Venise? Faites des ouvriers plutôt que faire d'argent, ça sert à rien. Hop là, allez, un autre. Ça devrait suffire là, non? Ah ouais, non, c'est vrai que j'ai des villes là-bas qui sont pas aménagées du tout, on va faire des ouvriers sur place. Embaucher des ouvriers plutôt que les faire. Parce que si on attend de les faire, là, on a pour un paquet de temps. Ok, bah toi tu vas aller là. Hop, tiens, tu vas même t'améliorer. Mince. Ah non. Ah si, j'aurais pu. Ouais, pardon. J'ai oublié que c'était un copain. Il n'y a plus de rouge sur moi, lui, en plus. Vraiment, il a plus de rouge. C'est vert, 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 vert. Vert, orange. Mais pas trop. Mais il est content. Il m'aime bien. Faut dire en même temps, vu comment je l'ai aidé. Ah ouais, voilà, c'est une caravelle, ok. Comment ça, l'Inde? Comment ça, bref? T'es en train de te taper contre... Ouh, je reconnais, ça pue ça. Mais je reconnais, c'était pas une villa... Si, non? Ouh là là! Va falloir... Alors se débarrasser des indésirables au bout d'un moment. L'Angleterre va falloir lui régler son compte. L'Espagne, l'Angleterre au bout d'un moment. Ouais. Bon, et là au moins on a des ouvriers qui partent au travail, ça c'est bien. Alors, témoin que Bogota, qui me rapporte le plus comme d'hab. Pas de favoritisme entre les cités-états. Et tu me rapportes. Je sais. Ils sont résistants quand même. Un amiral illustre. L'envoyé à Besbalik. Hop là.
Merci. Ah, mais non, mais non, mais. Ils font des villes. 1, 2, 3 cases. Il y a 3 cases de ces autres villes. C'est même pas rentable. C'est pas vrai, ça. En tout cas, il m'aime bien. Hein. Je sais pas ce qu'il me veut, mais. Il hésite, hein. Allez, tiens. Oh la vache. Oh, il y a de la troupe. Oh, il y a du monde, hein. Dit-il, hein. On dirait Singapour, quoi. Un fusilleur. L'utiliser lui, je vais le déplacer, je vais le mettre par là je pense et ça devrait peut-être augmenter la l'opinion, l'influence que je gagne due à la politique de la canonnière sur les cités-états. Ok, hop, tu vas aller là. D'accord, ouais. Petit dodo. Et on va pouvoir exploiter d'ici 2 tours, commencer à exploiter notre premier site antique. Tu veux? Ah bon? Ah ouais! Ah, ils sont copains maintenant les deux. Ok. Je suis pas le premier en alphabétisation. Ouais. On est au coude à coude avec l'Angleterre. En même temps, j'ai arrêté une techno juste avant de la développer. C'est peut-être pour ça aussi. Niveau puissance, par contre, vraiment pas loin. Population, voilà. J'éclate une bonne partie du monde. Oula. Il a reperdu. On a perdu de la défense, la ville. Hop, 28. 6. On va le faire rentrer. Le Japon a dénoncé Babylone. Oui, maintenant que j'aurais tapé dessus, tu peux. Ok. Bismarck et Elisabeth. Ah bah c'est bien. Ça l'empêchera de prendre Delhi. Bon, moi j'ai un truc que j'hésite à faire. C'est tout simplement laisser que les capitales ou même je pourrais même faire pire et laisser la plus petite ville du mec à, enfin, à chaque joueur laisser leur la plus petite ville quoi. Bon après il y a un petit problème c'est que les Mongolies ils n'ont plus qu'une ville justement. Pourquoi ils n'en font pas? Pourquoi il fait pas de colons lui? Parce que il a une ville. Il a plus de soldats que le japonais qu'en a deux. Hein. Peut-être pas la bonne stratégie. Hein. Pardon, je dis ça. Hein. Genre si on prend un exemple par oui. Pour Shoshone, je crois. Hop, ok. On peut le Shoshone, on peut lui laisser. Oh, oui, c'est bien. Avec la toundra, etc. à côté, c'est. Les collines. Non. Ah, ouais.
Ok. Là, dès que j'aurai les cuirassés, ça ira quoi. Oh là, par exemple Nanning, 4 habitants. Ouais, Nanning c'est bien. L'Allemagne, Munich. Qui est vraiment au bout, il n'y a pas grand chose. L'Espagne c'est plus compliqué parce que c'est à Séville. Elle n'a pas une autre ville quelque part. Ah non, mais non, oui, mais alors on a une chier de petite, on va lui laisser genre Santiago. Ah ça y est, il est arrivé. Retour à la maison. On est reparti pour quelques archéologues. Et là, ce tour-là. Une route commerciale supplémentaire et surtout, enfin deux du coup, vu que moi c'est doublé. Avec Venise, on a le double. Et surtout. Découverte du pétrole. Je sais pas si on en aura sur notre territoire, en vrai. Ce serait bien. Et ce sera plus en plateforme offshore. Peut-être plus en mer. Ouais, ça risque d'être en mer. Simplement parce qu'il y a beaucoup plus d'eau sur la carte qu'autre chose. Non, mais je me dis peut-être qu'à Québec, j'ai pas pris Québec pour rien, tu vois, dans le froid en général, allez, on peut espérer. Si le cerveau était suffisamment simple pour que nous le comprenions, nous serions si simples d'esprit que nous ne le comprendrions pas. C'est original, c'est joliment dit. Moi j'ai. Ok, ouais, c'est tout. Ah, c'est tout, j'en ai même pas à Québec. Oh, lui, il en a deux. Là, il y en a deux aussi. En fait, j'ai esquivé toutes les cases où il y a du pétrole, c'est pas possible. Ça se passe comment? Là, il n'y en a pas, mais pas du tout. Pas du tout non plus. Ici on a. Ah ouais mais oui mais de toute façon je peux pas fonder de ville. Ouais. Je vais dire oh bah tiens je vais fonder une ville. Non. Ah alors. Je peux pas acheter la case. Ah oh, merde. T'as du pétrole 7 en plus, ouais c'est pas trop mal. Ah là on a deux de plus, 4, ok. Côté de Bruxelles aussi. Ok, il y en a beaucoup dans le coin là par contre. C'est impressionnant. Mais ouais, je suis obligé de faire les plateformes offshore. On augmente la portée des routes commerciales. Ok, ça c'est good. Navire marchand, navire marchand. Vu qu'on peut en faire un passe en privé, je peux rien acheter. On va acheter l'hôpital. Et en plus, on a les sous-marins. Et ça, c'est pas mal. Sous-marins, stade, hôtel. Plateforme offshore, c'est vraiment bien la réfrigération. Deux de bonheur. Ça à envoyer auprès des cités-états et pour pouvoir couler les navires. Mais attends, mais oui, c'est trop bien. Juste pouvoir couler les navires ennemis sans qu'ils me voient. Oh, je vais en faire une chier. Faire une dizaine de sous-marins là. On va aller un peu partout. Bon, faut pas être dans des cases de ville, sinon quand même on nous voit, je crois. Par exemple, ici, là, il me verrait pas à changing. Là, Mbanza Congo, là, je suis bien parce que je pille entre le Cap et Mbanza Congo, mais bon, après, là, ça va. Là, ça augmente. Ouais, parfait, ça marche. Hop, on va envoyer à Kiev. Et le dernier,
Bah, que des gens que j'aime pas, hein. Que des gens avec qui je m'entends mal. Que je les aiderai, parce que forcément, vu que je suis en avance un peu sur eux, ça me fait que... Que je leur donne la science. Ah non? Ah là, j'ai une plus de science que je leur en donne, tiens. Envoyer à Salamanque. Hop, toi tu te soignes, toi. Tu fais tes petites recherches. Là, il y en a combien? 4? Ouais, c'est pas. Ouais, 3. 3 et 4, non, c'est pas ça. Ah, non, pas un autre endroit. Ah ouais, si. 3, 7. Par contre, il y a de la chance, genre, il y en a vraiment sur les terres, quoi. Il y en a 7 en plus, ouais. Il y a du monde ici, hein. Il y a de l'esp... Ah non, c'est du chouchon. Ah, c'est presque la même couleur. Mon allié a vraiment beaucoup de petits états. 1, 2, 3, 4, 5. Et 5 dont. 5 qui sont actuellement alliés à l'Angleterre, mais qui finiront alliés à moi à terme. Alors j'ai juste à faire un petit coup de dépense au pire. Elles seront alliées à moi. Là, ça augmente ou ça baisse? Ouais, ça baisse. C'est pas bien grave. Ah, musicien illustre à Venise. Bien. Bien. Alors. Ouf. Ah ouais, c'est bien ça. Prenez tout de suite. Oh, 252. Ah oh, ouais, vas-y. Tourisme à fond. Voilà, et ce qui est bien avec ça, c'est que maintenant, il est proche des deux cités-états, les intimide, et je vais bientôt les avoir dans la poche. Hop là, donc 2 de tourisme. On va voir, est-ce que j'ai d'autres ruines dans le coin? Oh, c'est se jouer une case. Ah, j'y ai cru en plus. J'y ai cru premier degré. J'étais en mode, oh, c'est chez moi. Non, c'est pas chez moi. Mais les doses? Non. Parce que toi, t'es trop proche de l'Allemagne. Y'a rien. Y'a rien. Et là-bas. Y'a rien. Et là. Ah, y'en a un. On ira sur le site antique ici. Nouvelle unité de Sidon. Si ça pouvait être un... une unité illustre, je dirais pas non. C'est ça? C'est vraiment ça qu'il m'a donné? Pardon? Non, c'est du hasard. Il est venu en même temps, c'est pas possible. On va voir, hein. Si, si... Non, c'est celui-là. Ouais. Non, c'est venu pile en même temps. Alors. Par contre, qui dit... J'en ai deux? Non, c'était l'archéologue. Là, il faut que je bien choisisse ma cité. T'as une cité-état sur laquelle il y a pas mal de pétrole. Parce que là-bas, j'ai vu, il n'y en avait que 3. Donc, ici, il n'y en avait que 3. Un peu déçu. Non. Non plus. Il y a une de planquée ici. Pas le porter. Il y a rien. Ah si, il y en a là. 3. Ah, suite. Ouais. Ouais.
C'est pas fameux, hein. Voilà, Bogota. Je vais prendre Bogota. En plus, ça lui bloquera sa route. Ce sera une bonne chose. Il est né où? Ah, je l'ai déjà cliqué, ok. Hop, allez hop. J'ai rien d'autre à construire. Archéologue, allez, on continue. Tour en la réfrigération. Bah non. Ça fait... C'est un de mes deux seuls alliés, je crois, hein. Donc j'ai... Ah ouais, bon, elle est encore contente, mais pas longtemps, voilà. Je vais pas dire non, je vais pas lui dire oui, je veux dire. Quelle idée. L'Angleterre est la première culture influente qui a réussi à influencer notre joueur. Ah, ça doit être le Japon. Mais moi je suis à 94. 94%, voilà, c'est tout ça. Ouais, je t'en mets. Faut être pas sûr. D'ici une bonne dizaine de tours, on ira se venger. Ah, tous ceux qui font des villes près de chez moi, on ira se venger. Comme dit l'adage. La vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Purée Satsuma, ils ont pris cher. Bon, ça se fait qu'ils aient perdu 3 péons. Même Tokyo, là, il n'y a plus de... Aïe, 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 aïe. Bon, ici, à déclarer... Ah ouais, ouais c'est ça. Profitez-en. Profitez-en parce que... Ça va pas être le cas longtemps. Tic-tac, tic-tac. Hôtel, potion de richesse. Ah! Non, j'ai mal lu. Ah, des fouilles ont abouti et on va aménager le terrain. Ça donne de la culture, alors ça me donnera pas de tourisme. Ça me donnera beaucoup plus de 4 de culture. 4 doctrines par tour. L'accord de recherche entre Espagne et Chouchouane. Ok, ça vous plaise. Mmh. 27 habitants à Venise. 1901. C'est pas mal. 28 dans quelques tours. C'est vraiment pas mal.
Là, j'ai bientôt un marchand illustre, 3750. Oui, il ne manque pas grand-chose. L'unité de Riga, encore. C'est terrible, ça. Allez, on va l'envoyer. C'est pas terrible, au contraire, c'est très bien. Ah ouais, non, c'est pas un... Ok. C'est pas un marchand de Venise. Comme c'est pas un marchand de Venise, je peux pas acheter de ville avec. Ça, c'est triste. Ah ouais, ça, c'est très triste. Non, mais c'est pas grave, je vais l'envoyer à... À Jérusalem, par exemple, que moi... Je peux pas encore influencer. On va faire un autre archéologue, on va les enchaîner. Et c'est là-dessus qu'on va terminer l'épisode pour aujourd'hui. Voilà, le compte à rebours est en cours, hein, tic-tac, tic-tac, bientôt nos sous-marins, bientôt notre pétrole et bientôt nos cuirassés. On pourra aller enfin se venger des nombreux affronts que nous avons subis. Et je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour le prochain. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Ciao.